Voilà, mes frères, les gars, écoutez-moi. Avant de présenter ta femme à un ami, avant d'ouvrir les portes de ta maison à un ami à nos jours, il faut beaucoup réfléchir. Il y a les sorciers ici dehors. Il y a les amis que vous marchez avec, mais c'est les sorciers. Tu es un ami. Le jour où tu lui présentes ta femme, il commence encore à venir chez toi comme si il ne t'appelle même plus pour te dire qu'il vient chez toi. Il commence à appeler ta femme en désordre, comme si ta femme était devenue sa femme. Comme si ta femme, c'est son ami. C'est moi ton ami et non ma femme. On me dit, c'est moi. Je suis ton ami. Comment tu appelles ma femme? Moi, ton ami. Tu as mon numéro. Tu ne m'appelles pas pour me demander comment va ma femme et mes enfants. Tu appelles plutôt ma femme pour la demander comment va ton mari et tes enfants. Pour qu'un tchèque, que monsieur, mon frère. Que monsieur, ce n'est pas la sorcellerie que c'est quoi. Hein, mon frère. Eh, tu on va prendre un look moi. Attention, hein. Merde, mon frère. Il y a les jours où tu viens, tu trouves qu'il est. Tu arrives chez toi, tu dis tonton, tel était là. Tu dis que mes gars, tu es passé à la maison, il te dit, ouais, j'ai fait un tour là, mais tu n'étais pas là. Mais mon frère, depuis quand tu viens chez moi sans m'appeler? Depuis quand tu vas aller chez ton ami sans l'appeler? Depuis quand est-ce que tu vas aller chez ton ami sans lui dire que tu viens? Sans lui demander s'il est à la maison? C'est parce que tu as les mauvaises intentions. C'est parce que tu es un enfant possédé, tu es un sorcier, tu es un garçon. Les amis comme ça là, faites attention. Faites attention aux amis, mes gars, mes frères. Avant de présenter ta femme à un ami, réfléchis beaucoup. Il y a beaucoup de sorciers ici dehors. Il y a les gens ici dehors que eux, pour eux, c'est gâter seulement les couples de gens. À bon entendeur, salut. Ne dites pas que je ne vous avais pas dit. Je suis là toujours pour vous conseiller. Paye ou non? Voilà.